La société est une réalité. Amen. Donnons la possibilité à d'autres personnes d'expérimenter, n'est-ce pas, la délivrance au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc ça me donne la possibilité de parler de la construction. Nous sommes aujourd'hui à 3 850 000 francs comme contribution. Les frais qu'on donnait l'argent, il nous faut 50 millions pour construire nos temples. Amen. Nous voulons construire, on n'a même pas la moitié. Nous avons 3 850 000 francs. Parce qu'on veut aménager ici, ici doit être aménagé, être en chantier. Nous allons construire juste d'ailleurs, construire par la grâce de Dieu. C'est parce que les gens ne veulent pas que le nom soit donné. Tout ça. Donc nous sommes à 3 850 000 francs comme contribution pour la construction de ce temple. Nous voulons construire juste d'ailleurs un grand temple. Parce qu'ici est petit. La soeur me disait, dans la vidéo, elle voit son cas, mais c'est petit. Si, si, c'est petit. C'est vraiment petit. Là, tout le monde est dehors, la plupart sont dehors. Nous voulons construire quelque chose. Or, c'est l'œuvre de Dieu. Or, avant, vous donnez votre argent dans les partis politiques. Et plein d'argent là-bas. Il s'agit de Dieu. Amen. Alléluia. Il s'agit de Dieu. Dieu a besoin de votre argent pour faire avancer l'œuvre. Si le temple est bien construit ici, vous allez voir que la société va diminuer au niveau de la Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Et ça, c'est important. Si nous sommes équipés, nous allons évangéliser les gens. Est-ce que vous ne les avez pas? Alléluia. Amen. Donc, nous sommes aujourd'hui à 3 850 000 francs comme contribution par rapport à la construction. On ne peut même pas démarrer les travaux. On ne peut pas démarrer. Amen. Amen. Vous voyez comment nous filmons. Heureusement, pour nous, il a acheté ça. On a acheté ça quelque part. Le truc, voici, tu vois ma fille, voyez, nos shintop, c'est ce qu'on prend pour filmer. Pourtant, on a besoin de caméras professionnelles, ça reste à nos filles pour y aller. Or, c'est de l'argent, ici c'est l'internet. Il s'appelle, il y a 45 000 francs, le wifi qu'on a ici, c'est 8 mégas. Vous l'utilisez gratuitement, on demande, moi je donne la possibilité aux gens d'utiliser gratuitement le wifi pour être en contact avec les gens. C'est gratuit. Chez moi, à la maison, j'ai l'internet parce qu'on peut télécharger chez moi. On n'est pas plus de 65 000 francs d'internet par mois. C'est de l'argent. Nous mettons assez d'argent pour vous aider. Assez d'argent dans cette histoire. Assez d'argent en matière de communication pour vous aider. Parce que pour nous, rien ne vaut la vie. Dans le petit moyen que nous avons, nous investissons pour que ta vie, pour que le diable n'ait plus accès à ta vie. C'est de l'argent. Pour télécharger des choses, mettre chez Internet, c'est de l'argent. Ce n'est pas gratuit. C'est assez de moyens. Amen. Nous avons besoin plus de 50, nous avons besoin de 50 millions. Pour construire notre temple. Amen. Construire un nouveau matériel. Le matériel est fait déjà 10 millions. Les caméras professionnelles, pour que ça soit en direct. Nous voulons faire du direct. Parce que juste après ce culte, dès que les vidéos sont postées, d'autres seront en train de faire les cultes. Comme la soeur m'a dit, tu es encore là, j'attends les vidéos parce que je fais mon culte. D'autres sont découragés. Ce n'est que sur Internet qu'ils font les cultes. Amen. Donnons-nous la possibilité de servir Dieu. Je suis trop divers ce matin, non? Ah, je vous dis la vérité. Donne-nous les moyens. Souvent, les gens vous regardent. Mais on a envie d'aller plus loin. Mais on manque de moyens. Or, l'onction est là, c'est vous qui devez nous soutenir. Vous investissez dans la vie des gens qui n'ont même pas l'onction. Il y a des gens qui ont des voitures qui n'évangélisent pas. Aidez-nous, s'il vous plaît. Amen. À faire connaître Jésus. Nous voulons faire connaître Jésus dans nos villages. Nos parents ont besoin de Jésus. Nous manquons de moyens. Amen. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es béni. C'est pas fort. Dis à quelqu'un, tu es béni. Vous savez, les Africains, ils ont doctorat en malédiction. Audi, là, ils ont doctorat dans ça. Ils ne sont pas bénis. Alléluia. Ça va chez toi, là. Ça va aller. Amen. Amen. Voilà que Dieu vous bénisse. Ici, il y a l'onction. Pas mal de vous sont passés, ils ont été guéris. Ouais, l'onction qui est là, ça s'entretient. Hein? Ça s'entretient. Si vous entretenez l'onction, vous allez voir. Si le prophète est dans les bonnes conditions, vous allez voir. Si j'ai une bonne organisation autour de moi, si vous voyez que les gens investissent dans le ministère, vous allez voir, on va avancer. Amen. On a besoin de vous. Dis à quelqu'un, Dieu a besoin de toi. Amen. J'ai tout aidé les gens qui étaient dans les difficultés. Qu'on a aidé, qu'on a eu même leur argent.
L'argent est bloqué en deux, trois semaines, non, il a l'argent. Ils vont investir ailleurs. Amen. Que Dieu vous touche ce matin. Que Dieu puisse investir dans ce ministère. Quand je rentre et puis je vois des gens dehors, je suis peiné. Amen. Nous voulons construire un truc à l'image de Dieu, juste dehors, et progresser. Il y a tellement de choses qu'on peut faire ici. Dès que vous finissez, on finit le guide, vous avez déjà les CD. C'est le matériel qu'on veut avoir ici. Pendant qu'on prêche, vous avez déjà les CD audio. C'est-à-dire qu'on prêche, vous avez les CD audio et puis visuel. Quand vous finissez, on vous donne les CD. Vous partez avec ça. Il faut un matériel de 10 millions pour avoir ça. Parce que c'est important pour nous. Le suivi. Quand vous venez ici, qu'est-ce que vous répartez avec quoi? Tout ça, c'est important pour nous. Alléluia. Amen. Aidez-nous, s'il vous plaît. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Dis à quelqu'un, sois fortifié. Amen. Amen. Viens, je vais prier pour toi. C'est un frère, on va nommer aujourd'hui comme responsable de l'église. Nous sommes en train d'organiser, nous acclamons le Seigneur, il sera l'un de votre enfant. Nous sommes en train d'organiser l'église. Nous sommes en train d'organiser l'église. Vous savez, il y a un ministère qui est l'église. Amen. Or, l'église a besoin des responsables. Le prophète ne peut pas tout faire à la fois. J'ai pris quand même du temps d'observer mes collaborateurs. Je ne peux pas être au four au moulin. Or, pour responsabiliser quelqu'un dans une église, il faut d'abord son témoignage, sa fidélité, son amour vis-à-vis de l'œuvre. Donc, beaucoup d'observations. Le Seigneur m'a mis à cœur de le nommer. L'ancien, c'est Colu Labidon. Il s'excuse, m'a appelé même hier soir. Il a une réunion. Il sera là ce soir. Amen. Donc, le frère aujourd'hui, je le nomme comme un des anciens. Or, l'ancien est le collaborateur direct du pasteur. Amen. Amen. Voilà, parce que c'est important. Il y a des choses qu'ils doivent régler. Moi, je ne dois pas être pas là. Je dois être là dans un coin en train de chicoter des sorciers. Spirituellement parlant. Hein? Alléluia. Amen. Amen. En train de chicoter des sorciers. C'est important pour moi. Donc, lui, il est nommé comme ancien de l'église. Amen. Alléluia. Amen.